étrangers qui sont représentés par Fatou Mor et Madame Katsa. Taïmon, c'est le premier jour de la réception de la formation du Grand Sang de 5 jours, de 5 semaines. Demain, nous avons la deuxième réception. Mais quand est-ce que le Covid est bon, nous avons eu des gens qui sont venus à l'hôpital, nous avons eu donc, le protocole de médecin chef, ça nous permet de nous faire 20 personnes. Mais qu'est-ce qu'il y a de ça? Donc, moi, je veux que quelqu'un reste sur place, je vais déplacer ses chaises. Ça, c'est un. Deuxièmement, les téléphones, nous faisons quoi? Nous avons un mode vibreur. Vous avez un téléphone aussi, pour qu'il y ait des TVD. Nous nous concentrons. Donc, comme je disais, avant de donner la parole à Patrick, nous remercions Madame la directrice du Centre culturel régional et l'ensemble des personnes du Centre culturel régional. Nous avons accordé beaucoup de facilités pour la tenue du pont. Donc, Anne-Marie, encore recevez les remerciements et les félicitations de l'ensemble des acteurs du pont, vous et l'ensemble de votre personnel. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Cathy, à Patrick. C'est la même chose. Fantab, donnez le remercier. Merci beaucoup. Bye bye, merci beaucoup. Bonne main, y'a ou pas. Bon, y'a ou pas. Donc, la parole est à M. Patrick Moore. Donc, merci Jules Dramé, donc, pour Arcos, qui sont nos fidèles partenaires depuis de nombreuses années. Avec le centre culturel de Thiès. Il faut dire que ce projet, il est soutenu et subventionné par le département de la solidarité internationale du canton de Genève et par la ville de Genève pour la solidarité et pour le développement et la formation sociale et culturelle. Parce qu'on estime qu'en effet, c'est extrêmement important que la formation continue et de faire de la formation de formateurs. Donc ce travail se fait avec de nombreuses personnes qui sont elles-mêmes responsables de leur troupe. Il faut se dire que de nos jours, c'est un véritable miracle dans le monde de pouvoir jouer une pièce de théâtre. Et ça, vraiment, c'est très rare. Il y a beaucoup d'endroits, en tout cas chez nous en Suisse, on ne peut pas le faire. En France, on ne peut pas le faire. Dans toute l'Europe, on ne peut pas le faire. En Amérique, on ne peut pas le faire. Et ici, au Sénégal, par miracle, on a dû prendre des mesures, on fait attention, mais on peut jouer un spectacle et c'est formidable. Parce que la culture, ce n'est pas juste du divertissement. La culture, c'est la vie. La culture, on la respire. Elle est importante comme l'oxygène, comme l'eau, comme la nourriture. Sans culture, on meurt. Alors on a travaillé aujourd'hui, on va vous présenter trois pièces différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La première, elle s'appelle « Les manquiers d'Awa ». C'est une pièce que j'ai écrite pour une association qui travaille au Sénégal qui s'appelle l'association Eden. C'est qui travaille avec les jeunes, pour la réinsertion des jeunes, pour réussir à les aider dans des projets de vie et à surmonter leurs divers problèmes. Ça a été écrit il y a quelques années, ça a été joué par des conteurs. Et on va la retranscrire ici avec 6 acteurs et musiciens du groupe Dupont. On a travaillé, comme vous l'avez dit, pendant 5 semaines. Après, il y a une deuxième pièce qui va être jouée, que Cathy vous présentera, qui traite de violence conjugale. Et puis, une troisième pièce qui parle de la migration avec les hommes. Et demain, il y aura un autre programme, un autre spectacle qu'on a fait, qui dure 1h20, sur les droits de la femme, inspiré d'une pièce du Théâtre des Intrigants au Congo, le Théâtre des Intrigants de Kinshasa, écrite par Michel Faure et son équipe, et on l'a complètement remaniée, revue par rapport à la réalité sénégalaise des problèmes des droits des femmes. Et c'est un travail passionnant que je vous encourage à venir voir demain à 5h également, si ça vous intéresse. Maintenant, on va céder la parole aux comédiens et on vous souhaite une très bonne représentation, s'il vous plaît. Je ne veux pas entendre un téléphone portable, c'est les ennemis du théâtre. Le théâtre se passe ici et maintenant. Bon spectacle. Les
Les histoires sont comme des graines, semées dans la terre, gorgées de soleil, mouillées par la pluie. Elles se changent en âme, puis en fleurs, et deviennent des fruits que l'on peut partager. Si vous nous écoutez bien, l'histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui va nous donner des manguiers, qui nous donneront de belles mangues, que nous ferons sécher et que nous pourrons manger. Vous aimez les mangues? Oui. Moi aussi. La terre, c'est vos oreilles. Les grains sont mes paroles. La pluie, c'est ma voix. Et le soleil, votre mémoire. Car les histoires sont faites pour être partagées de bouche à oreille. À bouche à oreille. À bouche à oreille. À bouche à oreille. Est-ce que vous pouvez nous prêter vos oreilles? Oui. Et vous voulez me dire, je ne sais pas si vous avez tout le monde. Vous avez tout le monde. Vous avez tout le monde. Merci. On vous les rendra à la sortie. Surtout, n'oubliez pas de nous les réclamer. Imagine, si tu rentres sans oreille à la maison, catastrophe, ton papa dit. Laïla, Mimoud, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a volé tes oreilles? Non, surtout, n'oubliez pas de me réclamer vos oreilles. Les bonnes. Pour être une des premières à pouvoir remplir son gros bidon de place. Chez moi, on n'a pas l'eau courante à la maison. On doit aller très très loin chercher de l'eau. Et on la transporte dans de gros bidons affreusement lourds comme celui-ci. Comme je suis petite, je me fais souvent passer devant dans la longue file d'attente au puits. Mais j'ai personne pour m'aider. Parce que mes parents et toute ma famille vivent dans un village loin d'ici, en Casamance. Et mes frères et sœurs, on est 9, on peut dire 6 garçons et 3 filles. Moi, je suis la deuxième fille. Et mes parents sont restés avec ma petite sœur et l'aînée des garçons pour les aider au champ. Et mes autres frères et sœurs ont été envoyés chez des gens de la famille qui vivent en ville. Quant à moi, j'ai été envoyée chez une tante qui vit ici à Thiès. Attendez-moi, c'est mon tour. Je reviens. Pourquoi nous sommes prêts? Mais j'étais là avant. Nous sommes là. On ne connaît même pas ton nom. Pour nous, tu n'existes même pas. Mais si, j'existe et je m'appelle Amobaye. Oh, tu nous casses les oreilles. Yo, non, mais... Et tous les jours, c'est la même histoire. Personne ne respecte Awa. Et quand elle finit enfin par remplir son bidon, il n'y a personne pour l'aider à le poser sur sa tête. Il est trop lourd. Je n'y arriverai jamais. S'il vous plaît, aidez-moi à le poser sur ma tête. Bien, sors ici. Quelqu'un pour m'aider? Comment m'aider, Molly? Je vais t'aider. Ben, Nia, Yet. C'est trop lourd. Djerejef. Imaginez-vous que je dois marcher comme ça tous les matins et tous les soirs avec cet énorme bidon. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Il tenait mille fois
et toutes les nuits, le tonton continue de la répéter, malgré la protection de CAF. Awal n'en pouvait plus, et était épuisé et découragé. Mais un matin, alors qu'on l'avait envoyé cesser du charbon, au moment de porter le nom sac sur sa tête, elle a entendu. Attends, on va t'aider! Et trois enfants sont sortis de derrière le tas de charbon. Un petit garçon avec des jambes et des bras comme des animaux. Et de gros yeux qui s'appelle Ibu. À côté de lui, il y a Omar, le jeune Rasta. Il y a aussi une grande fille du nom de Fatou. On fait partie du club Eden de Yemba. Mais on t'en fait depuis longtemps. On a vu que tu as des problèmes. Non, non, peut-être. Viens avec nous. Oui, on va te montrer où on se réunit. Merci. Mais si je ne rentre pas tout de suite, ma tante va me punir. Ah ouais, mais pas peur. On va lui expliquer ce qu'il y a avec nous. Mais elle ne voudra jamais vous écouter. Mais oui. Mais non. Elle va encore me crier trop fort. On va aller lui parler. Tu sais, Ibu aussi avait des problèmes. Mais grâce à moi et aux amis du club, il parle bien le français. Bien sûr, moi, tous ces gens aussi sont des graves problèmes. Mais grâce à Fabi et aux amis du club, elle m'a vu en sassé. Maintenant, je vais à l'école et je parle bien français. Un sasseur, sans ça, ça c'est, sans son chien, et le gros sasseur, bravo. Bravo, bravo. Tu vois? Je vous remercie, mais vous ne connaissez pas ma tante. Elle va encore me gronder plus fort. Laissez-moi rentrer. D'accord, rentre chez toi. Mais demain après-midi, retrouve-nous sur le grand Baba. Dernier le terrain de foot. Oh, viens là, rentre. D'accord. Le lendemain matin, je me suis dépêchée d'aller chercher de l'eau. Au moment de soulever mon bidon, j'ai entendu. Papa, on va t'aider. Plusieurs enfants sont sortis de nulle part. Ils m'ont aidé à porter l'eau. Avec eux, on a juste fait du feu. Balayer, faire le petit déjeuner. Il y a plein de tortues. Quelques petites arbres et des murs sont couvertes de plastique. Il y a même du lait. Des fleurs de toutes les couleurs. Il y a des vents, les sables et les plastiques qui brûlent en tous sens. Bagnou Assiette Soufougarabi. Il y avait déjà plein d'enfants réunis de tous les âges autour d'un tableau noir. Ils m'ont donné à boire. Les grands apprenaient aux petits à lire, à compter et à s'organiser pour connaître leurs droits et vivre mieux. Bonjour les élèves. Bonjour madame. Merci, asseyez-vous. Merci madame. C'est le nom de l'Ambesta, il est tout de Aobaïdi. Bienvenue madame. Bienvenue Aobaïdi. Vous répétez après moi. Vous répétez après moi. Dédé, Mana, Soumawake, et Bantouako. Mame, mame, voici mame, voici mame, et à cinq doigts, et à cinq doigts, en voici un, en voici un, en voici deux, en voici deux, celui-là est le petit bonhomme, celui-là est le petit bonhomme, qui tombe dans l'eau, qui tombe dans l'eau, plouf, plouf. Sans manger, t'as eu moins de boulot que ce pire.
J'ai tout raconté à CAF. Tous les jours, je retourne sous le baobab pour apprendre les lettres et les mots. Maintenant, je sais écrire mon nom. Thank you.
fête à venir, on a tout commencé à préparer. On a créé un spectacle qui parlait de nous, les enfants de la campagne, qui se retrouvent perdus dans les grandes villes. De ceux qui vivent dans la rue, à se faire exploiter par des faux marabouts, ou des familles qui les traitent comme des esclaves. On a parlé de Darwin et des parents. De la violence faite aux enfants qui sont livrés à eux-mêmes, loin de leurs parents. Surtout des jeunes filles qui se font parfois même violer et mettre enceintes. On faisait la musique avec des bidons et des casseroles. Et on a commencé à nettoyer le quartier. Et plus on travaillait, plus on était nombreux. Les enfants des clubs et des sont venus se joindre à nous. Wadjaway, il dit le musique ça pour barrer, 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 barrer. On a dit que le visa. Plus je danse, plus les maliers continuent à pousser.
Je m'envolais. Le public s'est levé fou de joie en tapant leurs mains pour m'applaudir. Awa, petit Tawa, tes pieds sont les airs. Ton sourire dans ton soleil. Ta joie fait pousser les arbres qui nous donneront leur ombre et leur fruit. Mais allez, vous l'écoutez au moment qu'on a fait pousser. Allez, allez.